Bonjour, bonjour à tous, bon matin, votre impacteuse très très forte de retour. Assumons nous vivants, assumons nos positions vivants. Moi je suis neutre, moi je ne suis pas dans fait de politique, mais quand tu dis tu es neutre là, toi-même dans le fond de ta pensée, tu sais ce que tu es. Tu connais ta position, tu connais tes idées, c'est juste parce que je ne sais pas si vous en avez honte, n'ayez pas honte. Assumez-vous vivant. Parce que quand tu viens sur un poste où quelqu'un a mis son poste et puis tu viens commenter en disant que non, toi tu es neutre. Quand on est neutre là, on va pas sur les pages politiques là-bas pour commenter. On va pas commenter des avis divergents parce que toi tu es dans ta neutralité. Mais votre neutralité dont vous parlez là, c'est quand ça ne vous arrange pas. Oh que oui, des événements me l'ont démontré. Vous savez où j'ai appris à vous cerner? C'est quand j'ai fait ma vidéo sur la nurse aux États-Unis. Je vais vous rappeler, je vais vous rafraîchir cette mémoire qui est sélective là. Je vais vous la rafraîchir. Quand j'ai fait cette vidéo sur la nurse aux États-Unis, il m'a fallu dire une seule phrase. Oui, quand j'ai dit dans cette vidéo que même si on n'aime pas quelqu'un qui est au pouvoir, il faut quand même reconnaître les efforts. Cette phrase-là, pour ça là, vous êtes venu vous abonner, vous, comme du miel, ça dit que qui vient, ça dit comme des abeilles qui viennent sur le miel. Vous êtes venu et j'ai une impactée parce que moi j'ai de la mémoire. J'ai une impactée qui a dit, c'est la même impacteuse là. Oui, Crazy Esther, salut à toi depuis ta position. Elle a dit, c'est la même impacteuse. Je dis, vous êtes venu, vous faites ces éloges. C'est comme ça vous êtes. Quand aujourd'hui, ça vous arrange, là c'est, oh madame, merci. En tout cas, tu as bien parlé, tu as framponné. Mais quand on s'en va l'autre côté, ou on s'en prend l'autre position, on a des problèmes avec vous. Ça ne devrait pas être comme ça. Si vous, vous avez vos positions carrées là, allez chez les gens qui réfléchissent comme vous. Hein? Allez là-bas. Là-bas, au moins, vous allez dans votre milieu où vous vous retrouvez, où là-bas, l'autre ne donne pas son opinion, où là-bas, on accepte ce que l'autre a dit. Bon, c'est ça. Vous avez, ça dit que cette façon-là, ça vous suit même partout. Est-ce que vous savez que le monsieur qui m'a adressé au Canada, je vais vous faire la vie aujourd'hui, le monsieur qui m'a adressé au Canada, là, c'est un mouton aussi. Il fait partie de cette réflexion des moutons. Voilà, il n'a pas supporté le fait que moi je porte une jupe, lui sa femme, ça dit que d'une autre façon, il y a des choses que je ne veux pas dire par respect pour certaines personnes. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que cette même femme-là, quand je l'ai vue au poste de police, j'ai tout compris. Mais si vous êtes neutre, restez dans vos maisons avec vos opinions. Restez dans votre petit cercle-là, dans votre neutralité-là, restez là-bas. Ne venez pas empester des pages avec votre affaire de moi, je suis neutre, je ne parle pas de politique. Dès lors que tu parcours toutes les pages, pour voir qui a fait un direct. Oui, parce que j'ai vu des directs hier où vous êtes allé insulter des mères de famille, de putes, de temps en temps. Oui, sur le direct de ma soeur, comment on dit ça, Francine Bach, je regarde l'individu qui a peine de l'insulter. Ça dit même un moustique même a de la valeur. C'est cette façon-là que nous autres, on vous reproche. C'est pas parce que toi et moi, on a des opinions divergentes qu'il y a un problème. On peut aller dans la diversité, dans l'adversité, et puis on avance. Mais votre appel de je suis neutre là. D'ailleurs, quand tu dis je suis neutre là, ça veut dire que tu es du côté du mauvais. Mais seulement que tu as conscience que c'est mauvais. Oui, j'ai fait mon poste où je vous ai parlé de la pensée de Desmond Tutu. Pour ceux qui ne savent pas qui est Desmond Tutu là, c'est un archevêque sud-africain qui milite pour les droits de l'homme. Il a même eu le prix Nobel de la paix. Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu restes dans cette position de non, moi, je suis neutre. Tu comprends que ça, c'est mauvais. Mais c'est juste parce que tu te retrouves dedans. Donc, tu vas faire croire que tu es neutre. Donc, votre appel de je suis neutre là, gardez ça dans vos maisons là-bas. Je n'ai pas besoin de votre neutralité sur ma page. Parce que je connais votre pensée. Je sais comment vous êtes. Quand ça vous arrange là, vous faites les éloges. Mais dès lors qu'on essaie de dire non, ça c'est pas correct, on essaie de dire stop, on a un problème avec vous. Mais comme je vous ai dit, moi je suis là pour vous éduquer. Vous avez besoin d'éducation. Pourquoi on vous considère comme des moutons? On voit que quand partout on passe, on dit les moutons. Ouais, pour votre façon de réfléchir là, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, revoyez-vous. J'ai le droit d'exprimer mon opinion.
tu as droit aussi à ton opinion. Et puis on avance. C'est ça qui est la vérité. Votre impacteuse très très forte, je suis de retour. Est-ce que vous savez, quand j'étais un peu malade là, je pensais que j'avais le COVID. Mais Dieu merci, je fais mon test. Je suis négatif. Ciao.